Salut, salut, on se retrouve pour eh bien, la mise à jour qui a eu lieu aujourd'hui avec notamment l'apparition des trophées, que ce soit pour les vainqueurs de la DreamHack comme Team LDLC et ainsi que le reste du tournoi, hein, c'est-à-dire demi-finaliste, quart de finaliste, etc. Et on a reçu nos badges, donc moi j'ai eu le gold pour cette DreamHack Winter 2014 avec 88 points. Je suis bien content, il brille bien, c'est sympa. Et il y a d'autres changements qui sont apparus, notamment sur Overpass et sur Nuke, qu'on va voir tout de suite. En effet, on est sur Overpass, et comme vous avez pu le voir, il y a eu des modifications suite au boost qu'il y a eu de la part de Lostmeister. Donc maintenant, il y a un petit panneau, hein. En allemand, si je ne m'abuse, ça veut dire interdiction de passer au-dessus de la palissade, quelque chose comme ça. Donc voilà, modification assez importante. Le camion était réavancé. Parce que rappelez-vous, Smith avait un boost et il pouvait voir juste derrière, en fait, au niveau de la palissade. Il pouvait voir pour aller voir en bas de la map. Maintenant, ce n'est plus possible. On ne peut plus monter à cet endroit. Donc modification au niveau du BP. Puisque il a été agrandi, on peut planter la bombe jusqu'ici maintenant. C'est vraiment plus large. Le BP, puisque le camion était réavancé, le BP lui aussi a été. Du coup, reculer, on peut planter la bombe par exemple derrière la caisse, vraiment s'abriter derrière et planter la bombe. Donc, il y a quand même pas mal de possibilités pour planter cette bombe. Sachant qu'en plus maintenant, puisque cette map était vraiment orientée CT, il y a eu une modification également, il n'y a plus d'escalier maintenant. Ça permettait de reprendre le EP assez rapidement et d'avoir des rotations extrêmement rapides. Maintenant, ça va être très compliqué, puisque il va falloir soit passer par là et monter, c'est-à-dire effectuer un saut, deux sauts ou trois sauts, ou alors passer directement par la rambarde, c'est un peu plus rapide, on fait ça, boum, et on est arrivé pour directement rentrer sur le BP. Toujours la sortie au niveau de la banque, mais voilà, des modifications assez importantes sur ce point A pour peut-être essayer de rééquilibrer un peu la map, et également du coup l'amélioration au niveau des sons parce que c'était assez problématique, on avait du mal à savoir où était le son lorsqu'ils arrivaient. Ça a été un petit peu amélioré, du coup je pense que ça permettra de savoir un peu mieux où sont situés les adversaires en passe sur Nuke. On se retrouve sur Nuke, et sur Nuke il y a une modification au niveau des textures, parce qu'il était effectivement très compliqué de savoir quand son adversaire était en bas ou en haut, parce que c'était le même son. Et les développeurs ont ajouté des textures à la map, et donc je vais tout simplement augmenter le son pour vous permettre d'écouter le son qui se produit en haut. Donc je vais marcher, faire des bruits de pas pour que vous puissiez entendre, et j'irai en bas, et vous verrez la différence. Là, j'ai augmenté le son du jeu. Là, je vais aller en bas. Là, je diminue le son du jeu pour que vous puissiez mieux m'entendre. Et vous allez voir la différence de son. Je vais rester en bas et je vais laisser le son et en bas, en haut, pour que vous voyez vraiment bien la différence. Voilà au niveau des modifications qu'on pouvait retrouver dans cette mise à jour au niveau des maps, Overpass, Nuke. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une autre. Ciao ciao!